Alors aujourd'hui, on vous présente un de nos produits coup de cœur à la Chiembla, vraiment un produit qu'on adore, qu'on utilise régulièrement. Puis récemment, on a reçu beaucoup de questions concernant son utilisation, donc comment s'en servir, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Alors aujourd'hui, on répond à vos questions. Le sac au sec Stella, c'est un sac hydrofuge, ce qui signifie que tout ce qu'on met à l'intérieur va demeurer au sec. On peut l'utiliser pour toutes sortes d'activités. Le kayak, le canot, le paddleboard, bref, tous les sports d'eau, mais aussi pour la randonnée, le camping, les balades en ville, on va au parc, les balades en nature, etc. Bref, ça va vraiment être un must pour toutes vos activités toute l'année. Alors, le sac au sec peut contenir jusqu'à 10 litres ou 45 tasses de nourriture pour chien si vous décidez d'utiliser comme sac de transport de nourriture. Pour le fonctionnement, c'est simple, donc on l'ouvre, puis on met à l'intérieur cellulaire. On peut mettre nos clés, on peut mettre notre lunch, on peut mettre des vêtements, on peut mettre la nourriture du chien, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut mettre ses jouets. Bref, on met tout ce qu'on veut garder au sec à l'intérieur. Puis comme vous voyez, il reste encore beaucoup d'espace à l'intérieur. L'inverse est aussi vrai. Si par exemple vous partez en camping pendant plusieurs jours, que vous avez des vêtements mouillés ou des serviettes mouillées, vous pouvez les mettre dans votre sac au sec, puis comme ça vous ne mouillerez pas tout le reste de vos bagages. Donc c'est très utile dans cette situation-là aussi. Pour le fermer, c'est simple. Alors on rejoint les deux bandes ici, on les colle ensemble. On va faire trois tours. 1, 2, 3. Puis on va venir prendre les deux clips ici et les boucler ensemble. Donc voilà, tout ce qui est à l'intérieur va demeurer au sec. Sur le devant du sac au sec Stella, on retrouve aussi une pochette qui est faite pour être facile d'accès. Donc on peut mettre carte, clé, bref, tout ce qu'on a besoin de prendre rapidement. On a aussi sur le côté une pochette filet pour mettre votre bouteille d'eau. On a souvent la question aussi de si c'est le chien ou l'humain qui porte le sac. La réponse, c'est l'humain. Pour le porter, c'est très simple. On a deux gants ajustables. Donc, c'est simple. On peut le porter dans notre dos, comme ça, comme un sac à dos. Alors, voilà, il est en sac à dos. Puis, on peut aussi le porter en bandoulière. Donc, comme ceci. Alors, en bandoulière. Puis, sinon, on peut aussi le porter sur un pack-sac qu'on a déjà. Fait qu'on l'attache tout simplement au sac à dos qu'on porte déjà pendant notre randonnée. Ou à notre embarcation, donc vélo, canot ou autre. Donc voilà pour le sac au sec Stella. On espère que ça a répondu à vos interrogations, puis que ça vous aidera pour vos prochaines aventures.